Bienvenue sur ce plateau spécial qui va porter sur la mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. L'enjeu de celle-ci, vous la découvrirez tout à l'heure avec la lecture qui sera faite par le représentant légal premier suppléant Révérend Katembo Meya. Sur ce plateau, juste après, vous aurez droit aux différentes réponses par rapport aux questions qui sera posée par, bien sûr, la journaliste. Et sur ce plateau spécial, vous avez donc Papa Révérend Mario Soale Zilandou. Il est le représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. Vous avez également le représentant légal premier suppléant, Papa Wumbambu Ndoudiambo, directeur de l'école biblique. Vous avez également le représentant légal deuxième suppléant, Révérend Doudou Koveille, responsable de la ville sainte de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Avec vous, Papa Révérend Katembo, faites-nous la lecture et dites-nous qu'est-ce qu'il y a au juste pour qu'est-ce que vous nous avez ramené sur ce plateau en ce qui concerne la mise au point de ce mardi 31 mars 2020. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921. Siège international. Mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et J.C.S.K., dite Église Kimbanguiste, fixe par la présente l'opinion tant nationale qu'internationale en rapport avec les images scandaleuses, sales, incendiaires, immorales et diaboliques de M. Sami Moukoko Diangenda, publiées depuis Bruxelles au Royaume de Belgique, qui circulent sur les réseaux sociaux à travers le monde. L'Église kimbanguiste précise que ces images n'engagent ni de près ni de loin l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, car M. Sami Moukoko Diangenda est l'un des cofondateurs et chef spirituel adjoint de la dissidence de Moukoto 87, dont le siège mondial se trouve sur l'avenue Moukoto 87, dans la commune de Ngiringiri, ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Depuis le 16 juillet 2019, les fidèles de la dissidence ont été déclarés non kimbanguistes, c'est-à-dire depuis lors, ils ne sont plus kimbanguistes. Donc, ces images de dissidents de Moukoto 87 n'ont rien à voir avec les JCSK. À cet effet, cette mise au point vient faire la différence entre, d'une part, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et J.C.S.K., fondée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, village natal de Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, dirigé par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal dont les sièges internationaux se trouvent en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Et d'autre part, la secte de la dissidence de Moukoto 87, dirigée par M. Armand Wabasolele Diangenda, leur chef spirituel, et par M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, leader spirituel, et M. Sami Moukoko Diangenda précité, est l'un des cofondateurs et chefs spirituels adjoints. Leur siège mondial se trouve sur l'avenue Moukoto 87, commune d'Ngiringiri,
ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour éviter toute confusion, à titre de rappel, l'Église de Jésus-Christ sur la Terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, avait déclaré par son texte, acte et position en rapport avec la dissidence de Mokoto 87, couramment appelée maléliste ou Bana 26 égale 1, le 16 juillet 2019 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ce qui suit. Primo, les dissidents de Mokoto 87, couramment appelés maléliste ou Bana 26 égale 1, ne font plus partie de l'Église de Jésus-Christ sur la Terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que proclamé à l'article 1 de la synthèse de Lukutakanu, Didi, au 13 avril 2018 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, prise dans le strict respect des articles 12.5 et 13 alinéa 2 des statuts de l'EJCSK publiés au journal officiel numéro 18 du 15 septembre 2005 et c'est conformément à l'article 12 de la loi numéro 004/2001 du 10 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique de l'article 22 de la Constitution de la République démocratique du Congo reprenant l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Secundo, les adeptes de la dissidence de Mokoto 87 et leur père spirituel, leur cofondateur et leurs alliés ne sont pas kimbanguistes et sont interdits de venir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international, ainsi que dans les installations de l'église kimbanguiste à travers le monde. De peur qu'ils désacralisent les lieux saints et aussi qu'ils puissent transformer la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, en leur centre d'attraction magique et de peur qu'ils arrivent à initier des milliers d'innocents kimbanguistes et au risque de ternir l'image, la doctrine, l'éthique et l'histoire de Papa Simon Kimbangu et de son Église. Tertio, Nkamba Nouvelle-Jérusalem reste et restera la base principale, les berceaux et bastions du kimbanguisme. Quarto, vu la gravité et les dangers que la secte de Mokoto 87 représente, l'Église de Jésus-Christ sur la Terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, insiste qu'aucune autre condition d'admission n'est possible pour leur réintégration. Toute autre procédure n'est plus de mise pour éviter le chaos. Ainsi, nous saisissons cette occasion pour réitérer notre demande à l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant de la nation, celle d'accorder une personnalité juridique distincte de celle de l'Église de Jésus-Christ sur la Terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu à la secte de Mokoto 87, comme nous l'avions souligné dans nos dernières demandes pour éviter toute confusion. Fait en Kamba, le 31 mars 2020,
pour l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et JCSK, Révérend Mario Landu Swalezi, représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église, Révérend Katembo Meya Monyo, représentant légal premier suppléant, président général de la commission de discipline et conciliation, Révérend Umbambundu Diambu, représentant légal premier suppléant, directeur de l'école biblique. Voilà, c'est donc là la mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Nous ne voulons pas nous répéter puisque vous avez découvert de quoi il s'agit exactement. Le résumé avec le représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'Église, Révérend Mario Swalezi Landu. Makamoni ne peut pas trop retenir. Puis Makamoni et l'Obami na linga la papa na kati ya mise au point wana. Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu mosantu. Bo uti kolanda lecture oyo révérend représentant légal premier suppléant en charge ya commission de discipline et conciliation auti kotanga. Tina nini atangeli mise au point wana? Pona ko yebisa mokili mobimba que l'église kimbanguiste, ou babengi église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, et ou babengi cycle église kimbanguiste. Et ezali yango mokote na ba secte oyo ezali kobima, na kombo ya papa Simon Kimbangu. Poete depuis 1921, tata Simon Kimbangu na mbanza nsanda a yebisaki ke lingomba ekotongama. Mais lingomba wana ezali ya nkolo Yesu. Mais ekotongama na kombo ya tata Simon Kimbangu. Nde yango wana eutaki kozwa kombo wana lingomba ya nkolo Yesu na mokili mobimba. Na toma na ya siki Simon Kimbangu. Église kimbangise ezali une et indivisible. C'est-à-dire lingomba oyo église de Jésus-Christ sur la terre ndenge papa Simon Kimbangu apesela kyango na mbanza nsanda ezali kaka moko ezala kami balete oyo ake kosala lingomba na abimi ake kosala eloko na photocopie na ye moko kuna ya mabe mais église kimbangise ezali kaka moko. L'église kimbangise est apostolique, c'est-à-dire il a kisi ke lingomba oyo pozwa bokonzi. Il faut lingomba evanda ba pesa yango ba mizuila kango lokola ku detate lokola batu oyo to ba uti kotanga mukoko bakena ki kosala lingomba na bango baboya kilotomo ya papa diangenda kuntima ndenge atikela ki lingomba na ye po papa diangenda loba ki boye lingomba o église kimbangi c'est un cadeau que tata Nzambe apesi na kati ya mokili po ete ebikisa mokili mobimba. Oyo akolinga kokabula lingomba oyo akoza ba difficulté incalculable. Ezali maoko mona ke bana oyo bayokaki wana kasi bazo konosala lingomba pona ka koluka mbongo pe balingi kolanda lotomo te ya lingomba. Nde point de point au mise au point ya lelo ezali makambo ya soni ya salité oyo baza kosala na kombo ya papa Diangenda na kombo ya église kimbangise d'ailleurs na lingomba na biso ni a titre de chef spirituel à Dieu ezalité titre de chef spirituel na pa na biso ezalaka te esi elongwa toza na ba conseil direct à part le chef spirituel son éminence papa Simon Kimbangu kianga ni représentant légal ya lingomba na biso o balandie bazali ba conseiller direct. Ce que qui le titre chef spirituel adjoint et la gisique esa église qui mbangiste te ezali ndenge balubi secte bato bisala sala bazoluka mbongo na bango po ete basala makambo ya potopoto de oyo esali monsieur Mukoko Sami ya solo azali mwana papa Diangenda mais azali chef spirituel te na kateli ngoma na bi chef spirituel adjoint pe azala kate bango baboya kilotomo oyo batata batikela kibiso ke lingombe zalaka moko mokonzi moko
baboyaki lotomo baboyaki mitindo etika batata nde bakendeki osala lingoma na bango secte na bango babengi monkoto 86 87. Donc bazali différence na biso tozali makambo bazo sala ezali ko engager bango moko kaka yango wana nde tozosenga pe au même moment que to bandaki pe kala kosenga na leta bakonzi ya leta bakata likambo opona ko éviter confusion parce que si on a réseaux sociaux bazo loba scandale dans l'église kimbangiste or église kimbangiste ayibi makambo wana te bazala lingoma na bango e engager bango moko na ndenge na bango bakende kosala bisala sala na bango ndi yango wana toye na plateau pona ko pesa éclaircissement na population non se batenge makambo na réseaux sociaux ke makambo na sa église de Jésus-Christ la terre par son envoyé Simon Kimbangu te wana za makambo ya secte monkoto 87 bazana ba chef spirituel na bango adjoint ba titre wana ezala ke pa na bisote donc ba tolo bakango ça fait 18 ans ce que ki titre wana chef spirituel adjoint eza église Kimbangu c'était ezali kaka bato bisala sala bazolunga honneur na bango bazoluka pouvoir na makasi. Chez nous, l'église est apostolique. Même si on a un coloyesu, on a un coloyesu, Donc voilà un peu le crécissement en termes clairs. Le cambo, on a un qui est to vandeli awa po ete mokili mobimba. Baye bake, oyo nyonso ezo salawana, ezali pe malchance bo tutu, po ti ba boyaki kolanda, matei o papa diange na tikaki. Ce qui est dans le papa de la terre, papa qui est solo, papa de la terre, il y a un batata. Parce que il faut vénérer papa qui est solo, papa de la papa de la terre. Ma cambo bazo sala. Et zo sala soni parce que papa de la loba qui boye. Na koki ko yogi sa tata nanga y sonite. Na koki ko yogi sa lingomba sonite. Mais bango ma cambo bazo sala wana. Bazo yogi sa batata na bango soni. Bazo yogi sa bandimi na bango soni. O balanda ki bango. Na bango moko. Est-ce que vous avez une capacité à tellement les coups les lingomba? Yangonde l'État a pesa bango autorisation. Bah ça la lingomba na bango bateka balabel na biso. Ne confusion et zala lissoute. Merci Mingi papa. Révérend Landou, dengo pesi biso explication na lingala. Papa, vous êtes directeur à l'école biblique. Révérend Umba, makamoni ne vous colo ba pour ya makambo oyo. Na kumba tata ya mwana pe tata mulemo santu na kanisa likambo tofandi lawa likambo ezali kobebisa reputation eglise kimbangiste elobe mina mukanda papa represente legal le premier suppléant en charge ya évangélisation a wutu koloba ezali eglise kimbangiste te mais ezali secte baboya ki kolana matambi ya batata. Papa fuma longo de ngenda kuntima ayebisaka biso avant ke akamata ke ndakisa kuna na Amerika ngunza tombi ku prophète moko abimake kuna kumbo na ye mormo tango tata zalaka vivant lingumbe tambula ki kitoko metango tata kufaki lingumbe tikala ki na mwana mena mwana tango atikala ki na lingomba ba jeune balandaki ye balobiete poete biso ba jeune toza la makasi beto pese maboko lungula mebeko mebeko zali ko deranger ba jeune alors fin baza ko lungula kandambo ndambo baza ko lungula kandambo ndambo so finalement lingumbe kufaka alors papa dengenda lobekete biso foto tambula na mebeko tango papa Simon Kimbangu kyangane azui et bonga na 2001 ayebisaki biso boye lingumba oyo bato bamoni pasi 37 000 familles 150 000 martyrs bakufilaki na likamboyo alors nde biso soki to tambule na mibeko te lingumbe ko ekobeba papa fumolongo ayebisaki biso boye kuna na marika kaka ndenga na kutiko loba alors tango lingumba tikala kina maboko ya mwana ekufaka ebe biso pe lingumba oyo eske ekufa te mwaye kufa ezali te mwaye totika mibeko ezali te mibeko bulingupe misala mibeko yango nde kosembula lingumba yango ekotambusa lingumba
moye lingumbo ekufa ezali te yango nde tozali kolobete ba nyonso bazali kosala bambe bawana ezali ba ndimi atata semoke mbango te bato wana deja ba tengamaka direction na bango ezali kona na mokoto bazali bakimbangiste te donc yango nde tozali kobeta se tete leta yo kela biso to bande kosenga le kambo yo kalete pesa bango mikanda lokula ba manguma mosusu bazana mikanda na bango problème ezali te alors nde biso pe to lingi tete batwa na batanga mana kumbe bakimbangiste le voilà bikambo ezaki pona ko loba yango wana papa gouverneur ya kamba nouvelle Jérusalem pambate ozali responsable à ville sainte une mto jaka ville sainte na par rapport à makambo oyo message na yo ezali ndenge nini. Merci beaucoup mama journaliste na kombo tamu tamu santo na banza tolandi lecture mise au point oyo papa représentant légal premier suppléant en charge ya commission de discipline et conciliation au niveau général papa Rivera Katembo pe tolandi commentaire oyo papa révérend premier suppléant papa Mario représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation mission de l'église peut être Kolanda na Sukakuna, papa premier suppléant et directeur de l'école publique papa révérend Wumba Mundudiam na nyoso nenge leki na banza synthèse kanazo sana maima suma loba miawa uta 2001 makambo ibandaki kino lelo église kimbangi sende yangoyo siège international yango isiko to fandi awa batu nyoso bazo mona temple yango makambo nyoso bazo mona yango to fandi sike église e fandi sike église bandaka peizari kino lelo de siège changé sika mon côté ce que zo kama kambo zo le kaboye c'est parce que ezaba oyo baboya ki kolanda mitindo ya batata misatu bamvoa la misatu ne batikela ki lingo mana bango otobete bana ya mon koto bana ya 26 ainsi de suite pambate balinga ki teke bayo kamela ete papa Simon ki monki ngala za mokonza lingomba bango nyonso balinga ete babengama bakonza lingomba nulle part au monde onte lingomba za 50 chefs spirituels ezala esamate sika mokoti ndetina onete lingomba ke ndeye papa premier suppléant évangéliste bete notre église apostolique ezay hérétique te nous sommes pas des hérétiques mais nous suivons la doctrine nous devons prôner la doctrine de l'église il y a la doctrine il y a la coutume il y a l'éthique il y a la tradition qui manque c'est la coutume qui manque ce que nous devons suivre pour te tomber dans l'église à mormon tenez papa ou mauto le bakuna alors monde des olandabiso mise au point au lingomba zo sala lelo baibete maimazo le kanani malika na mvua Bruxelles ya papa Sami Mukoko ya ngenda non aza kimbangi c'était azali dissident c'est-à-dire bango ne bakano ko sala lingomba na bango eza kutu lingomba te parce que une église doit avoir la doctrine ainsi de suite on ezali secte et leurs adeptes c'est-à-dire bango baza ba cofondateur ya secte na bango wana qui n'a rien à voir avec l'église kimbangiste nde lelo nde mokile yebete ba o wana o azo tanga te église kimbangiste sami ko kwa salibo aza na kati na lingomba kimbangiste te azali na secte na bango o basala na niveau ya monkoto c'est-à-dire que ye na bande ko na ye ba bengami ba chef spirituel adjoint ya secte na bango parce que jusqu'à la preuve du contraire notre chère église l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu fondée le 6 avril 1921 en Kamba ezana ba chef spirituel adjoint cette église n'admet pas des chefs spirituels adjoints cette église admet des conseillers directs ce que yoki tende ko bengami conseil direct c'est que azali na lokolo na Nkamba bangwande bazolanda pe bazomema lingomba lolenge batata na bomisa batikeli yango mais ce que yekete chef spirituel adjoint yebake mutwana abunga nzela c'est un hérétique c'est pas une injure mais et ça termine nenge sengi te c'est babe yango hérésie c'est-à-dire et c'est une hérésie doctrinale donc ba père de doctrine ya lingomba na bango oyo batata mo batikela ki bango niti ya babenga mete ba maleliste to bana mondwenga to bana mankoto mankoto ainsi de suite donc cette histoire oyo to yoki ya papa Sami Mukoko ça n'a rien à voir avec l'église kimbangisi. Donc bandeko bayeba na mokimo bayebete papa Sami Mukoko na bandeko ne nyoso wana
bazala kana église kimbangi c'était bazala kana secte na bango babengi monkoto 87 donc mokile ye bayango lelo yango to senga chaque fois na l'état l'état sunga biso pete apesa bango asunga bango apesa mon personnalité juridique ou ezali te eza en dehors l'église kimbangi eza même en rapport l'église kimbangi c'était wana ndé église kimbangi c'était tanga masuna ninga ba bêtise oné to moni boyété. Donc voilà moi journaliste moi ke na koko bakisa iska ba utikola donc bref l'état sunga bango apesa mon personnalité juridique comme ça va continuer que ça ba bêtise na bango bazo sala qui n'ont rien à voir avec l'église Kimbangis, siège international en Kamba. Voilà, Nathan Duboton. Merci beaucoup, papa, référent Katembo. Je suis très heureux de vous dire que vous avez une dernière. Na kombo ya tata mo na pe tata mo limo santo ndenge to uti koloba to pesi éclaircissement église kimbangiste ezali siège na Nkamba eza kotambwisama na chef spirituel moko tozala kana bango mibale misato te yende papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba oyo soki mbala ya boni toza koloba leta na biso pesa biso maboko leta bozali pona kopesa kimia na batu tozali koloba esali 18 ans boka bola likambo oyo esi la pesa mikanda na baninga oyo basala li secte na bango ndenge to uti koloba meti lelo 18 ans eloko moko ezalaka te tango sikoyo toza koboya biso tozo batela mibeko totambolaka na mibeko Lingomba na biso ezali Lingomba ya mibeko mibeko ezali kopekisa biso kosala makambo oyo boza komona na rezo sosio biso bakimbangiste tosala kabiloko wana te oyo basali yango bazali bakimbangiste te kasi kombo eza kotambolake bakimbangiste po leta bokaboli biso te bosalisa biso bozali po na peple bozali po na biso bopesa bango mikanda bami vandela biso peto mi vandela bazali lisusu bakimbangiste te ndenge bouti koloba na biso tolobi peto silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup, c'est la fin de cette mise au point. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.